Et salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode. De l'ombre de la guerre. Le jeu, je suis à fond en termes de son, hein, au niveau du jeu, hein, chers amis. Je revérifie, mais je suis à fond en termes de son sur le jeu. Là, je suis à fond. Et le son est très très fort. Enfin bon, ce n'est pas grave. Allons-y. Déverrouiller l'aptitude. Après déverrouiller l'aptitude, on a une aptitude qu'on peut prendre. Alors qu'est-ce qu'on avait dit qu'on prendrait? Ah oui. Oui, agression brutale. La puissance peut être doublement chargée, ce qui permet d'effectuer des exécutions brutales qui terrorisent les ennemis et les font fuir. Alors par contre du coup, c'était ça qu'on voulait? Ah oui, c'était pour les décapitations et autres plaisirs de la chair. Et donc du coup maintenant on a plus ou moins, alors à part prédateur où on n'a pas grand chose. Agilité elfique, ruée spectacle, un mode petit pour instantanément parcourir de courtes distances. Ah ça peut être pratique, consomme de la concentration. J'ai dit que c'était pratique, peut-être pas tant que ça. La brutalisation peut-être intéressant aussi pour nous. On vous demande tout le monde en puissance ou contre de coup, d'accord. Ça peut être intéressant sur le principe. Haine aveugle. La motivation fait faire davantage d'ennemis, d'accord. Férocité, inflexible, brutalisation vous donne un bonus de puissance de compteur de coups. Ça peut être intéressant encore plus, du coup. Liane empoisonnée. Ça peut être intéressant. Ça peut être clairement intéressant. Vu que, potentiellement, ça me permet de ne pas avoir à nous déplacer dessus. Ben voilà, voilà sur quoi on va se déplacer pour la suite. En moins, sans le bureau d'empoisonner, on a une chance d'exploser et d'empoisonner les ennemis proches. Mais c'est complètement pété. Ça aussi, ça s'est complètement pété. En mode zombie, quoi. Déclenchement de proximité. Ok. Visez les mouches de Morgaï, les cages et les appâts en appuyant sur X pour qu'ils se déclenchent lorsqu'un ennemi s'en approche. Oh, c'est pété aussi, ça doit être stylé à voir. Chaîne spectrale. Appuyez sur X pour cibler un ennemi supplémentaire. Oui, ça c'est cool. C'est très très cool. Alors j'espère qu'il y a un truc qui dit que ça consomme moins. Ça par contre, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Honnêtement. Spectre mortel, maintenez Y pour voir la direction pour laisser à vous un spectre qui tuera votre adversaire. Je le fais pas déjà ça? Drainage, votre sprex. Oh la vache, votre spectre drainera sa cible. Ça, ah ça le... Ouais bah ça le met dans notre équipe du coup. Ah c'est intéressant aussi tout ça. Bon bah c'est cool, on a plein de choses à faire du coup. Ok. Du coup, map. Oui mais là c'est un peu trop loin pour map. Voilà. C'est bien mieux. Ici, nous avons l'Éten. Votre armée est au complet. Il est temps d'apposer votre marque sur le Mordor en triomphant du légendaire chef suprême de Nurnen. D'accord, mais nous, on est juste là. Donc, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à aller faire ça? Les trois tours. Eltariel a repéré les Nazgûl dans les environs. Fouillez la zone pour découvrir ce qu'il trame. On va faire ça. On va faire ça. En plus, on a deux ennemis devant. Épique. Il est joli, dis donc, ouais. Il est niveau 22 de puissance. C'est un peu beaucoup, non? Bon, soit. Ici, nous avons un monument. Ouais, ça, c'est pas excessivement intéressant. Track pour Shaka, le roi des fous. Ah, ça peut être rigolo aussi, ça. Allez, on va se marrer d'abord un petit peu avant. Et on y va. Hop. Ouais. Il n'y a pas tant de zones sur lesquelles je peux aller me planquer. Ah, Tiba Inia. Est-ce que ça va être assez éloigné? Oui! Ouhou, trop de talent! Y'a personne en dessous. Il ne semble y avoir personne à part cet homme qui se déplace. Alors, au passage, est-ce qu'il y a un quelconque boss dans le coin? Ah bah oui, le voilà! Le glouton. D'accord, il a peur des exécutions. Dégâts par attaque à distance, dégâts par exécution, dégâts par explosion. D'accord, en soi, il est pas extrêmement balèze, je trouve. Il y a beaucoup de monde dans le coin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Si je peux le drainer. D'accord. Je sens ton odeur, Dark. Bientôt, je sens... Pouf! Ça fait mal! Oh, bien joué! Bonjour! Ah bon?
Simplement un morceau de premier choix. Trop petit pour un repas complet, oui, mais... Il me prend pour de la bouffe! Bah, cela dit, ça va bien avec ce nom. J'aime bien le truc que t'as dans le dos, je sais pas trop ce que c'est, mais... Tu es un régal. C'est quoi, c'est une presse à agrumes? Ah! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Alors, on m'a dit que t'aimais pas ce genre de choses! Allez, venez vous battre. Venez vous battre. Venez vous battre. Non? Aïe. Qu'est-ce que t'as fait? Bouffe. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes... Tu me jettes pas à la tronche quand même. Ah si. Ok. Bien joué. Ok, ah d'accord, c'est un... C'est pas mal alors, ça me plaît ce que tu fais là. Bonjour. Hop là. C'est pas toi que je veux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a une espèce de micro latence. Sans vouloir... C'était pas le bon bouton, je croyais qu'il fallait que je... Ok, j'ai largement le temps, il n'y a plus personne avec lui. Tu es à moi! Ah, c'est pas mal. Recrutement, trop puissant. Bah écoute... Il est temps de nous battre. Qu'est-ce que tu... Tu es trop puissant pour moi, semble-t-il. Bah alors, t'aimes pas le poison? Je vais te dévorer. Oh! Oh, ça fait mal! Non! Je t'interdis. Tu es re à moi. Ah, c'est nul. Je peux te rabaisser, tiens, pour la forme. Plus aucun respect. Un gros gros manque de respect. 17, niveau inférieur. Il est perdu. D'accord, donc il est parti très très loin. Voilà. Ah bah, point d'aptitude. Bah, comment s'appelle voilà. Ouh là là. Ça va vite. Bon bah du coup, ok. Bah on va voir s'il est encore dans la région. Parce que s'il est dans la région, on peut peut-être encore le... Cette fois-ci, on peut peut-être le récupérer finalement. 15. Le poète. Zoon le poète. Bah écoute, oui, bienvenue à toi dans la zone. Je regarde si t'as pas un coping. Ouais. Non. Bon bah tant pis. Tapé. On traque. Pour chasse. Alors, Oura, apparemment. C'est une cible. Détail. C'est une cible. Et Shaka, le roi des fous n'en est pas une. Pendu. Ah, pardon, je croyais que j'avais commencé la map. Enfin, la partie, mais non. Pas du tout. Commencez, c'est parti. C'est l'heure de la guerre. Du coup, on a lui. Ouais. Le voilà. Je parie que t'es trop lent. Prouve-moi que je me trompe. Il est rigolo, le roi des fous. J'ai bien envie de sauver... What? Je croyais que ça allait être moi. Ouais, ils sont trois. C'est l'heure de la guerre. Vu que c'est l'ombre de la guerre. Anti-saut, vendu. Oui, c'est moi. Ouais. Pas de soucis, t'es gros et t'es moche. T'as un clown. Kagebunshin no jutsu. Qu'est-ce qu'il fout? Ah. Non.
Ah si, parce que l'autre s'est enfui. Ah non, Oura a fui. Non. Encore là. T'es tout de suite moins méchant. Ah. On est plus nombreux que toi, pas vrai? Es-tu prêt à mourir d'une mort? Mais ils sont nombreux dans le coin, effectivement. Rempli de ton sang, les paroles ne feront pas saigner. Toi par contre, je te veux. Si ça ne te dérange pas. D'accord. Ah, vous avez pas vu celui-là. Où est-ce qu'il est? Vous le voyez? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Ok. Cassez-vous de mon chemin. Ok, je vais avoir besoin d'aide. Enragé partout. D'accord. Ok, toi t'es de mon côté. Je sais pas trop si j'en avais besoin, mais... Voilà. Faisons-nous des copings. Parce que là, vu le nombre qu'on est... Embuscade, génial. Une fois que je t'aurai tué, j'irai dire à ton garde du corps que tu l'as appelé. Putain, c'est parce que j'ai appelé mon garde du corps. Il commence à y avoir un peu trop de monde là dans le coin. Sans vouloir être... Oui, je sais que t'as pas le saut, mais... Je veux juste pouvoir m'en sortir en fait. Il y a un gros truc derrière ou c'est moi? Il y a un gros truc, effectivement, je confirme. Voilà, bouffez ça. Je pense que dans un groupe, ça fait du bien. Fâche, t'es si solide que ça. Quoi? Ok. Ils sont un peu... Copains. Vache, j'ai pas le temps. Ah. Sneak. Non, marche pas. Il m'arrive tout un tas de choses. J'espère que je vais pas perdre un copain dans l'histoire. Non, monsieur le Grog, vous pouvez pas... Ah, celui, il prend l'escalier. Le Grog prend les escaliers. Why not? Aïe. Celle-là m'a fait mal. Wouhou! Il se passe tout un tas de choses. Ah! Petit peu de vie. Ah, le feu c'est chaud. Le feu c'est chaud. Le feu c'est chaud. Le feu c'est chaud. Non, ça va. Il me tape. Il me tape. Oula. Ouah, il y a du monde. Oui, je suis encore là. Calmez-vous. Aïe. Aïe. Pourquoi t'en as qu'après moi, espèce de bestiole à la mort moelle-neuve?
Viens m'aider au combat. Allez. Allez. Pourquoi j'ai pas eu le... Pourquoi mon bonus a été pompé? Allez. Non, c'est pas lui que je veux, c'est lui. Oui. Ça m'en fait un de plus. Bon bah c'est pas lui que j'aurais voulu recruter, mais c'est pas grave. Ouah, le combat de la mort qui tue. Le coup du Kagebunshin qui nous a mis... Je vais te donner un ordre, ça te dérange pas. J'aimerais que tu ailles en compagnie d'un de nos potes. C'est pas possible. Si, regardez, il y a déjà deux de nos amis dessus. Goura, bah tiens, va espionner Goura. Y a pas de soucis. Voilà, ça en fait un. Et on en chie, un nombre de jeux ce qu'on en chie. Bouf! T'as un sac à PV toi en plus. Mais non, t'as un copain. Attention avec ses flèches. Oh, putain, il fait ça tout le temps. Aïe. Et de deux. Ok. Pourquoi il porte ma bannière lui? Allez. Plus c'est pas comme s'il y avait où. Aïe. Non pas lui. Non pas lui. Putain mais cible l'adversaire mon dieu. C'est bon. Pourquoi je peux drainer mes potes? Recruter. Lui il est balèze avec ses effets pyrotechniques. J'adore. On l'appellera Michael Bay. Bolg le déchiqueteur aka Michael Bay. Bon, bah je pensais faire de l'histoire, vous voyez, mais on est déjà à pratiquement 20 minutes d'épisode. C'est la chatte astrophe. Accomplissez les quêtes pour prendre cet ennemi pour cible. Oh, tu peux pas l'infiltrer. Tu m'as dit c'est qui le rouge qui avait... Ah bah voilà. On va être 2 contre 1 là par contre. Hein. C'est parti. Ok. Allez, va bosser. Est-ce qu'on est enfin bon? Oui. Allez, repartez. Hop. Détruire. Le lancer de marteau. Bon, bah voilà. Il ne leur reste plus que leur bête. Ça ne suffira pas à m'arrêter. Ok, bon. Du coup, Oura. Oura, œil brillant. Yaou là. Allez, on y va. 800 pieds. Ah, je ne peux pas appeler mon Karagor. Serre ma volonté. Oups. Bon bah je ne peux pas appeler le Karagor pour une raison que j'ignore. Ça y est, elle a bien voulu. Peut-être parce que c'est parce que je restais appuyé sur le bouton. Je ne sais pas. Ouais, allons-y. Un mur lisse. Des Karagors, génial. Mais non, vous me verrez pas. Lui par contre il y a des chances qu'il me voit. C'est vrai que je vais un petit peu en plein territoire ennemi, mais bon, ce n'est pas grave, ça reste mieux que la forêt de tout à l'heure. On est à 300 pieds, seulement. Bonjour. Tu n'as rien vu. Vous savez quoi? Fuck it. Bouffe-le. Bouffe-le aussi. Mais non. Je ne vais pas te tuer.
Vas-y, va chercher. Moi ? Ah, t'es là ! Oui, Oh putain. Puis j'ai pas mon truc. Ramasser. Artefact gondorien. Le but d'un auteur n'est pas toujours d'inspirer ses lecteurs. Ah, notaire. Ah, d'un auteur, pardon. Oh ! Quand j'étais petit, j'adorais le travail du bois. La fabrication de meubles. Ce n'était pas lui. Me fascinait. Stallion artisan, j'aurais aimé voir ça. Ce n'était pas lui. J'essaie de lancer une. Ce n'était pas lui. Génial. Le vrai, c'est celui qui est déjà en train de m'attaquer. Cool. Oh. What? Ninja? Tiens. Et moi, je vais faire quoi d'après toi? Oui, je vais te recruter. T'es pas en repli par contre, tu peux te torcher pour être en repli. Non, non, t'es autant en repli. Casse-toi de moi. Voilà, hop, t'es autant en repli que moi je ne t'attaque plus. Que moi je ne fais le choix de ne plus t'attaquer. Tu sers la lumière. Bon bah ça aurait été violent quand même cet épisode hein. Bah voilà une bonne nouvelle. Espionner le chef de guerre. Je m'en vais. Cool. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ok. Bon par contre ce qui est ennuyant c'est qu'on est arrivé là. Grom le dresseur doit battre un capitaine ennemi pour faire ses preuves et devenir espion. Astérol. Ah oui, le mec dont j'ai baissé le niveau. Ah. Bon, on va le faire rentrer dans l'ordre déjà. Ensuite, on verra bien. Crac. En tout cas, ce jeu est cool. Il se passe plein de choses tout le temps. Ah, et il est plein de murs invisibles. Oui, par contre, il manque vraiment du coup d'un système de... Oh, est-ce que je peux le brutaliser? Est-ce que je peux le brutaliser? Le silence le plus complet. Vous êtes pitoyable. Bah alors? Hop là. L'avantage, c'est que grâce à la deuxième barre de la brutalisation, je peux stacker deux exécutions classiques. Ça, c'est un vrai avantage qui est complètement pété. C'est parti. C'est un combat? Oh, un combat de Pokémon. Oula. Mais quel robuste spécimen. Je me demande à quoi ressemble. Oh, t'es stylé aussi. Encore une grosse larme. Parfait. J'en vais te tuer. Ouais, alors en termes de vitesse, effectivement, on va être. Par contre, oui, c'est un poil déloyal hein, comme combat. Autant pour moi que pour lui. Hein, mais il est déjà mid life, quoi, le machin. Il prend cher. C'est Marcus. Il arrête pas de dire hop. Il va même pas se battre. Il était parti pour laisser ses potes bosser, quoi. Allez, au travail, les amis. Au travail. C'est un combat de Pokémon. C'est un combat de neuneuf. Oh! Oh, brisé. Je voudrais le... Non? Oh. Oh, ça aurait été glauque, la fin. J'aime bien parce que mon mec a mis quoi 10% des coups au début, puis après il a tout mis à la fin, quoi. Ouh, un équipement. Armure numénorienne. Qui est complètement pété visuellement en plus, hein. Toujours pas de cape. Enfin, de comment de... J'arrive à une cape en fait qui... Comment dire... Qu'il mette vraiment sur sa tête, quoi, tout simplement. Un truc
Starmur qui doit être super méga lourde en vrai. Ok, quête. On avance, on progresse. On va aller voir notre copain. Non, c'est pas celui-là. Notre copain ici, puis ensuite on fera la quête principale. De toute façon, il était temps que notre ami rentre. Oh, ça va tellement être une belle trahison. Je sais pas ce que vous en pensez, ça va être une magnifique trahison. Je veux dire, il aura pratiquement plus aucun pote, le mec. Et il s'en rendra compte qu'à la fin. Si ça, c'est pas complètement pute. Excusez-moi, je sais que je pourris ma vidéo YouTube en disant ces mots, mais ce n'est pas grave. Là, ça va être tellement, tellement ça. Enfin, bah, je pourris pas la vidéo, mais je pourris plus le comment. Le... Mais non, tu ne vois rien. Hop là. Bon, je... Dégage. Ok. C'était littéral, n'est-ce pas? Tu étais vraiment en train d'attaquer un animal. Wouah! Le roi des fous, ridiculement petit, face à Astérou le glouton. Actuellement en embuscade 1. Ouh, va y avoir un coup de main? Cool! Ah! Oh, va y avoir vraiment un coup de main. Par contre, j'aime bien voir tes potes. Je te sème vite! Regarde! What? Encore là! Oh, c'est beau ça! Tu savais que ça te pendait au nez? Ça fait un sacré bout de temps qu'on doit te tuer. Et c'est moi qui vais enfin pouvoir le faire. Ouah, c'est tellement stylé ce jeu. Eh oui, c'est moi. Tu ne peux pas attendre que je le fasse tomber dans mon piège. Eh oui. Tiens, va au sol. Il est tombé du ciel. La caméra. Aïe, à chaque fois je me fais eu. Hein. Aïe. Faut vraiment que j'arrive à voir le roi des fous. Ouais. Mais non. Ah, il est à l'épreuve des flèches. Oh, pardon les copains. Aïe. Ok. Je croyais que j'avais un copain dans le tas. Ah, j'ai pas réussi à le saisir. Aïe. Putain, ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Tu t'en sors, copain, ou tu m'aides pas du tout? Ouais, je préfère faire ça plutôt que de bouffer le. Ils sont nombreux dans le coin quand même. Hein. Non, dégage de mon chemin. Non, aïe. Aïe. J'ai besoin d'un coup de main. Aïe. Il va me filer un coup de main. Ah merde. Non, ça c'est un copain. Oui. Non, le but pas! Non! Ah merde! Bon bah, c'est pas grave. Bon bah, j'aurais que le roi des fous. C'est vraiment dommage. Oui.
Ouais, non mais je reconnais, j'ai pas été à la hauteur. Heureusement, ce n'est pas fini. J'ai une deuxième chance. Boum. Par contre, t'évites de faire ça quand je suis dans le coin. Boum. Raté. C'est parfait. Ah merde. Faut vraiment qu'il arrête de foutre des explosions partout. Effectivement, tu finiras par obéir. Ah, il est trop haut niveau. Réduire le niveau. Tu ne mérites pas ma lame, petite bouse. Espèce de fiante. Voilà. T'es les insultes caca. Alors, où est-il? Dis-moi. Où est-il? Oh, il pourchasse mon ami en plus. Et... Bon, bon, on va aller se la faire. Où tu es? Hop. On est déjà à 31 minutes. Ah, je fais le con. Bon, c'est pas grave. On y va. Fuck it. Fuck it. Je ne peux pas le laisser attaquer. Ah bah merde. Attaquer un de mes amis sans rien faire. Ça me semble logique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais bien qu'elle est pas trop suivie la série, mais bon. N'hésitez pas à la liker et à la partager comme d'habitude, chers amis, en tout cas. Y a pas de souci. Vous êtes ceux qui comptent. Si vous la regardez, c'est pour vous. Je la fais pour vous. De toute façon, j'aime ce jeu, donc j'aime y jouer. Et donc, même s'il y a peu de personnes qui la regardent, je vais le finir. Tant pis. Pour les autres. Hop. Ce jeu est bon. Peut-être même faire quelques lives dessus. Histoire de faire les niveaux ou recruter des gens par moment, je ne sais pas, on verra. Hop. Tu veux bien grimper, s'il te plaît? Aïe. Bon, cette fois-ci, on le récupère, hein. Le petit roi des fous. C'est l'heure. Surprise. Le voilà. Allez, essaie de m'attraper. Il est stylé, lui. Hop les, bonjour. Ça fait mal? Ça fait mal? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Il y a vraiment une espèce de pseudo latence à la con. Non! Ah, parfait. Bah écoute, pour l'instant, je te récupère. Aïe. Non, c'est pas du tout ce que je veux que tu fasses. Aïe. Ça y est. En insistant, ça marche. Tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît? On va être copains. Merci. Ah, oh, ça c'est un homme, un vrai. Va espionner le chef de guerre. Oh. Je vais voir ailleurs. Tous les gardes du corps d'un chef de guerre complotent contre lui. Joignez-vous à eux dans une mission de trahison. Par contre, il est parti tellement dans le caillou. C'est ça qui est stylé. Trahison disponible. Ah, mais tu hein? Dégage. Ok. Bon. Eh ben du coup, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. On fera la trahison dans le prochain. Et j'espère qu'on fera de l'histoire aussi au passage. Mais bon, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!